qu'il met une carte là-dedans? Non. 52 cartes. En fait, il y a 52 cartes parce que il n'a pas vraiment 52, mais sur chacune des cartes est représentée les différentes cartes d'un jeu de cartes. Est-ce que tu peux penser dans ta tête, non, dans ta tête, tu me diras, à une carte, celle de ton choix? Pique, cœur, trèfle, carreau, de l'as, roi, celle que tu veux. La dame de cœur, l'as de pique, c'est les plus souvent pensées avec le roi de cœur. Mais tu peux changer, prendre celle que tu veux. Une compliquée, pas compliquée, ça m'est égal. Mais tu en as une en tête, ça y est, c'est fait? Ouais. Dis-moi juste si tu la vois dans ce panel de cartes. Non. Dans celui-là? Oui. Oui? Oui. Non. 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 Ok. On est d'accord que pour l'instant, tu as une carte en tête. Oui. Je ne peux la connaître. Est-ce que tu as un chiffre qui te porte bonheur, un nombre? Ouais. C'est quoi? 24. 24. Et toi? 23. Ça, c'est original. Et toi? 6. C'est très très original comme ça. Regarde. Ici, il y a un jeu de cartes. 54 cartes. Je vais te donner les cartes et tu vas les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Est-ce qu'il y a ton chiffre à toi qui te prend le bonheur? C'était combien ton chiffre en fait? 24. 24? Vas-y. Est-ce que tu peux compter les cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, stop, arrête-toi. Est-ce que déjà dans ces 23 premières cartes, il y a la carte que tu avais pensée? Non. Bon, je peux prendre la 24e carte? Ça, c'est ton nombre bonheur. Ah, d'accord. Tu m'as dit 24? Oui. Donc, dis-moi, c'était quoi la carte que tu avais en tête? 6 de pique. Elle n'est pas là. Non. Est-ce que la suivante, c'est quoi la suivante? Roi de carreau, non plus. Après, ça serait quand même étonnant que le numéro fétiche correspond exactement à la position de ta carte fétiche dans le jeu.